Dans le cadre des journées du développement durable à Lille, nous vous emmenons dans les coulisses du jardin de Paul des Pollens, situé à Villeneuve-d'Ascq, qui ouvrira officiellement ses portes en avril 2012. Ici, on trouve toutes les espèces végétales qui sont responsables de nombreuses allergies. L'objectif est de les observer pour alerter la population quand le pollen s'apprête à se disperser dans l'atmosphère. Une information avant tout préventive qui permettra à toute personne de reconnaître l'espèce à laquelle elle est allergique. Sachez qu'en France, c'est le bouleau le principal facteur d'allergie au pollen. Explication supplémentaire au micro de Pierre Beauvillain. On va utiliser une plaque sur laquelle on va déposer de la glycérine. On va venir taper la fleur sur cette fameuse plaque. Et ensuite, avec une petite loupe, on va pouvoir observer s'il y a eu présence ou pas de pollen. Donc, on va faire ça pour chacune des plantes allergisantes. Et ensuite, on va noter ces résultats. On va l'encoder directement via un module de saisie en ligne sur Internet.